Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yann Scrubba. Nous sommes très heureux de vous voir ce matin. Et en dessous de cette vidéo, surtout, s'abonner, cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche juste à côté pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse de ce que vous regardez cette vidéo. Sachez que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le bon Dieu. En tout cas, il m'a sauvé. Et c'est vous que je vous présente aujourd'hui. Et tout ce que nous devons faire dans la vie, nous devons le faire pour l'honorer. Pour honorer le vrai Dieu, tout simplement. Le grand Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre. Nous devons l'honorer au travers de nos biens, tout ce qu'on a. En tout cas, partout, nous devons honorer notre Dieu, tout simplement. Parce que c'est juste et c'est important. Comment tu ne vas pas honorer Dieu, ton Dieu, celui-là même qui t'a créé et qui permet chaque jour que tu sois en vie. Honore-le et ne rentre pas dans la futilité. Futilité, c'est quoi encore? Pourquoi on dit ça? On est là qu'on passe à tout de suite. Mes frères et sœurs, waouh! Quand on est très riche là, qu'est-ce qu'on fait? On fait des choses même parfois qui sont bizarres. Hein? Est-ce que c'est faux? Dis-moi. On fait des choses qui sont parfois bizarres. Comme quoi? Tu vois pas qu'il est riche? Il va rentrer dans un restaurant et il va dire: ah bon, ce plat là vous le vendez à combien? On dit on le vend à 5 euros. Vous vendez ce plat à 5 euros? Alors moi je l'achète à 1000 euros. Et c'est ce que tu as dit? C'est pas tout, hein? Il arrive encore. Il arrive encore dans le magasin. Il dit: vous voulez dire combien ces chaussures-là? On vend ces chaussures-là à 30 euros. À 30 euros? Pourquoi? Augmente le prix. Hey, parce qu'il a l'argent, il peut se foutre tout ce qu'il veut. Il veut encore dans sa douche. Le toilette qui est là-bas, là. Pourquoi c'est blanc? Moi, je veux que ça soit du or. Tu te rends compte que cet homme va aller tout simplement voir des personnes spécialisées à la matière pour concevoir son double WC, ou bien ses toilettes, ou encore sa douche dans sa peinture en or. Pourquoi? Parce qu'il a l'argent. Donc, j'ai dit qu'il peut tout faire. Cette manière de vivre là, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais, mes frères et sœurs? Je vous pose la question aujourd'hui, répondez-moi. Est-ce que c'est mauvais? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Quelqu'un m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Ah, c'est son argent, non, il est très bien du pouvoir, donc il dépense comme il veut, c'est normal. Un autre a dit, c'est pas parce que c'est ton argent que tu vas dépenser ça de façon bizarre comme ça, acheter des trucs. Alors que les pauvres qui sont là, tu peux même aider les gens. Même s'il n'y a pas de. Même si tu as aidé les gens, tu as aidé les pauvres et qu'il y en a encore là. Ça fait quoi d'économiser? Ou bien les enfants et tes enfants, hein? Ils ne vont pas venir au monde ou quoi? Ou bien ils vont pas manger? Ou bien eux, ils ne vont pas vivre? Quelqu'un encore va dire, mais c'est pas parce que tu es riche que tu vas te permettre de faire des choses inutiles. En fait, tout le monde aura. Ça, le mot à dire ici. Tout le monde aura quelque chose à dire. Tout le monde aura quelque chose à dire. Quand on a l'argent, on a tout, on peut se permettre de faire tout ce qu'on veut. Mais parfois, il y a des choses qu'on peut faire là qui vont nous conduire à la mort. C'est pourquoi on est là ce soir ou encore ce matin selon votre pays. Pour vous parler de cela, pour vous parler tout simplement de ces choses qui tuent. Et cette chose-là a tué ce riche. Oh, mes frères et sœurs. Oh, mes frères et sœurs. Quand je vais me mettre à rang de témoignage, quelqu'un m'a dit, ah, que Dieu t'a dit ça quelque part. Ou j'ai déjà vu ça quelque part. C'est normal. Et parce que c'est vrai ce que nous allons vous dire. Tout simplement. Voici le témoignage. Il y a un homme, très riche. Quand je dis riche là, il est riche.
Il a dit qu'il est riche. Il a l'argent. En tout cas, il a l'argent. Waouh! Est-ce un milliardaire? C'est possible. Mais cet homme était vachement riche. Tellement il était riche là. Il se comportait comme les autres là. Il faisait des trucs délirants. Et la dernière chose qu'il va faire là, va lui coûter la vie. Si on lui avait montré son avenir, si on lui a montré que ça allait lui coûter la vie, ça m'étonnerait qu'il le fasse. Qu'est-ce que c'était? Vous savez ce qu'il a fait? Quand on doit aller à un show, une fête, une cérémonie, qu'est-ce qu'on fait? On s'habille ou pas? On s'habille pas? Oui. Et tout le monde a son vêtement. C'était porte des tricots. C'était porte des vestes. Parce qu'on veut être comment? Élégant. Cet homme-là dit que lui va être plus qu'élégant. Il va dépasser le commun du mortel. Il va faire quelque chose qu'aucun homme n'a pu faire jusqu'à ici. Ou aucun homme ne pourra faire. Est-ce que c'est ce qu'il a fait? Est-ce que c'est ce qu'il a fait? Il allait voir des personnes pour leur demander de lui fabriquer un vêtement. Écoutez, il a demandé aux gens de lui fabriquer un vêtement en or. Quand je dis or là, c'est pas du faux. Quand je dis de l'or, c'est que c'est de l'or. Il a conçu ce vêtement là en quoi? En or. Waouh, Seigneur Jésus. Le vêtement là était conçu en or, avec des chaînes, des bracelets. En fait, c'est comme si lui-même là, à part son corps, lui-même, tout était or sur lui. Est-ce que ce qu'il a fait là, c'est mauvais? Ou est-ce qui est mauvais? Quelqu'un m'a dit que c'est son argent. Il a le droit de faire tout ce qu'il veut. Pourquoi ne l'empêcher? Pourquoi l'interdit de faire ce qu'il a, ce qu'il veut? Mais mon frère, ma soeur, nous sommes dans un monde là où il y a des gens qui n'ont pas les mêmes pensées que vous, qui ne voient pas les mêmes choses que vous. Quand il a conçu ce vêtement, vous savez ce qu'il a dit, pourquoi il a dit, vous savez ce qu'il a dit par rapport à ce vêtement? Il a dit tout simplement que je vais concevoir ce vêtement là pour séduire les femmes ou peut-être ma future femme. Donc c'est ce qu'il avait dans la tête. Donc il avait ça en tête, séduire les femmes. Cet homme riche voulait séduire les femmes par son accoutrement, par l'or massif que celui, peut-être il va gagner une femme. Ha. Voici que à la soirée même où il allait là, sur le chemin là, quelque chose va se passer. La chose qui va se passer là va l'empêcher même d'aller à la soirée d'abord et va l'empêcher de séduire quelqu'un ou quelques femmes, n'importe qui. Vous savez ce qui s'est passé? Sur le chemin là, des bandits déjà étaient informés de cela et ils ont tendu un piège et ils ont tiré plusieurs balles dessus. Son vêtement en or là n'a pas pu le protéger de ses balles. Et il est mort.